τι κοιτάς. Bonjour et bienvenue sur notre domaine. Alors là, pour certains qui connaissent, eh bien, vous allez voir une ferrade. Là, nos gardiens sont partis chercher les taureaux qui sont de l'autre côté du domaine. Ils devraient arriver derrière nous. Aïe, aïe, aïe. Mais pas de suite. Hein. Vous allez entendre les cloches, ils devraient en arriver quelques-uns derrière. Hein? Alors, les cloches qui sont là-bas. Commencez pas, d'accord, pas avoir d'histoire. Alors, avant de voir, quand même, je vais vous présenter notre domaine. Vous êtes sur le domaine de Méjean. Le mot Méjean en patois veut dire Méjean. Et le Méjean, c'est le milieu. Il est là, il est là, Méjean. Il s'appelle Méjean. Eh bien, voilà. Il s'appelle Méjean. Il est tout en milieu aussi. La Camargue, c'est ce qui se trouve entre les deux bras du Rhône. Côté Sainte-Marie d'Amer, on a le petit Rhône. Côté Arne, on a le grand Rhône. Et très loin derrière vous, vous avez la digue à la mer. La Camargue, c'est un triangle qui fait 85 000 hectares. Et au milieu de ces 85 000 hectares, comme l'on indique, vous avez le domaine de Méjean. Le mot Méjean n'a pas été donné hier. Cet après-midi, on passera devant, vous allez voir qu'au milieu du domaine, là où il y a les arbres, il y a une grande maison. Et devant cette maison, il y a une croix. Le domaine appartenait aux Templiers. Et en 2013, on a fêté les 1000 ans de Méjean. C'était la maison des Templiers. Et devant, vous avez la croix des Templiers. La croix des Templiers, c'est une croix avec des petits trèfles au bout de cette croix. Alors ce domaine de Méjean, il fait 600 hectares aujourd'hui. Sur les 600 hectares, on a plusieurs activités. L'activité touristique, vous le verrez tout au long de la journée. L'activité élevage de chevaux et de taureaux de race Camargue. Hein, même qu'il y en a qui connaissent, souvent dans le coin, taureau Camargue, course camarguaise, d'accord? Taureau espagnol, corrida. Hein, c'est deux choses complètement différentes. Parce que même dans le coin, quand je dis le coin, pour moi, c'est pas dur. On reçoit du monde entre Montpellier et Marseille. Là-dedans, il y a 90% des gens qui ne connaissent pas la différence entre eux et l'autre. Et quand je dis 90, c'est pas moins. D'accord ? Personne ne le sait, le sel est plus lourd que l'eau. Le sel reste sur le sol et l'eau s'évapore. D'accord ? C'est pour ça qu'en Camargue, la terre qui est devant vous, c'est la vraie Camargue. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle est un petit peu blanche. Et il n'y a que de la salicorne qui pousse. Parce que dans du sel, il n'y a rien qui pousse. Et pour pouvoir dessaler ces terres, il y a deux solutions. Ou on fait des marées, où il va y avoir de la chasse, d'accord? On va amener de l'eau douce, ou alors on va amener de l'eau dans des terres et on va faire du riz. À l'époque, les anciens, il y avait des vignes, et la vigne, il y avait une maladie qui c'était le phylloxéra. Et ils inondaient la Camargue. Et alors c'était la deuxième où ils pouvaient faire ça, mais dans la vigne, en Camargue, il y en a très très peu. Parce que le gros du riz se récolte en ce moment. Et on a pris énormément. On va mettre une petite graine. Et s'il y a du mistral, et bien avec les vagues. Allez, les taureaux, ils arrivent. Et après, vous finirez. Alors, pendant que les taureaux arrivent sur le domaine, les incultes du domaine, ce sont le mari du domaine. Les rhônes ont été endigués, la mer a été endiguée, et toute l'eau qui est en Camargue, une a amené l'eau, et la deuxième, c'était important, c'est à sortir 4 hectares de chemin et d'ombre. Et la dernière chose, c'est que derrière vous, c'est l'étang du Vacarès, et c'est pas la mer. L'étang du Vacarès, c'est un des plus grands étangs d'Europe. Et dans cet étang, vous avez les trois autres. Les Camargues s'arrêteront sur cet étang et pourront manger sur le côté comme ça. Alors même si vous connaissez, vous restez contre la remorque et contre le terrain, la voiture. Vous n'allez pas trouver. Vous piquez, regarde.
pour nous, on ne se trompe pas. Et quand vous les mettez dans le couloir, il y en a qui connaissent qu'on fait les fourmis partout pour que ça avance. Le problème des gens comme ça, oui, ils ont oublié normalement dans le monde entier, tout le monde est pareil. Il y a le numéro qui se trouve du côté gauche. Il y a 10 chiffres. Les 6 premiers numéros, c'est le numéro de chez les qui échappe. Alors nous, sur le domaine, on est en fait à avoir tous les êtres qui sont dans la mais il y en a qui sont très proches, tout ça saute dans l'autre, mais grâce à l'expulsion, on restera enfermé. Et quand je dis gentil, il faut qu'on puisse aller à cheval et qu'il ne bouge pas. Voilà. Et notre passion dans notre... Et là, il y a les états de vin qui apparaît dans les vins. Dès qu'on est à... par rapport à la... Alors, c'est pour la manade de vache de l'autre côté, on l'a mis, parce que même si on le trierait devant vous... C'est bonne initiative. Mais ouais. Ah. Non, on ne laisserait pas dans le parc. Il y en a une qui est jalouse, regardez. Ah oh, quelle chasse. Ah, bon, c'est maman aussi. Tiens, va avec nous. Va avec nous. C'est pas, hein. C'est ça. Non, mais j'ai pas fait exprès. C'est une bague en argent. Non, ça va pas se faire. C'est fou, ils en prennent vite l'habitude quand même. Chiffure, viens, viens Claudia Chiffure. Viens, nous on a Claudia Chiffure, une camarade. Okay. Là aujourd'hui, vous avez peur, hein. Marais, s'il vous plaît, la star qui a été élue week-end dernier, qui a gagné le premier prix élite du cheval de race Camargue, de 4 ans et plus. Alors, comment il s'appelle? Baron des Prairies. Voilà. Et vous avez le grand-père, son grand-père, non son père, son père, excusez-moi, qui est juste là, c'est un étalon de chez nous qui s'appelle Jet de Méjean. D'accord, alors c'est là qu'ils connaissent un petit peu nos chevaux, mais Jet de Méjean, c'est le cheval qui est le plus indicé en Camargue. Où il a été élu, le
plus beau cheval de ces quatre disciplines. Ah, bon, félicitations. Bah, c'est pour ça que je l'appelle Claudia Schiffer. Voilà, en plus c'est une vraie Barbie parce que là il a rien de rose, il n'y a que la demoiselle qui est en rose un peu. Parce qu'il est tout de rose. Je ne sais pas s'il faut s'aider. C'est pareil, c'est exactement. Alors par contre, là-bas, n'importe quel équidé doit être porteur d'une puce électronique qui se met au niveau de l'encolion. D'accord ? C'est pas pour ça qu'elle ne classe pas, parce que nous, chaque année, il y en a une qui s'en va. Hein, ou elle s'arrête, ou elle s'en va. Et après la lettre, vous pouvez savoir quel âge il a, parce que chacun est heureux, au numéro 8. D'accord ? On va mettre chaque poulet, va avoir un numéro différent. Alors, ce qui est aujourd'hui pas obligatoire, et 6 mois après, pareil aux alentours, on va marquer ses exemple, comme il y a devant vous, eh bien, il a des tétés tel jument. C'est pour ça que nos anciens aussi, vous avez dû marquer que les juments sont marqués souvent au-dessus de la marque, la lettre et le chiffre. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les chevaux étaient sauvages. En fait, je fais les juments et avec leur lait, donc je fais tout ce qui est cosmétique, donc savon, crème pour les mains, pour le corps, tout ça, des glaces et des compléments alimentaires. Il faut savoir que le lait de jument, c'est le lait qui se rapproche le plus du lait de la femme et du coup, il a des très bonnes vertus pour décidément la peau ou même pour le corps. Et en fait, donc, tout ce qui est peau, ça va vraiment vous permettre une hydratation en profondeur. En protéines, et contrairement à ce qu'on pense, c'est la protéine qui hydrate et pas la matière grasse. Donc, du coup, c'est ce qui permet que la crème elle pénètre vite et ça colle pas. Après, c'est un pH neutre, ça régule tous les types de peau et ça va lutter contre tous les problèmes comme acné, psoriasis, allergie, démangeaisons. Très bien, toute l'année parce qu'il faut qu'elle ait du lait toute l'année. Et une jument, combien de lait, 2 litres par jour? Une Camargue, ça produit à peu près 6 litres par jour, entre 6 et 8 litres par jour. Et toi, tu en prends combien? Non, moi, j'en prends même pas un litre. Voilà. Pour pouvoir laisser le poulet tété à côté. Le premier cellier, ça a été Monsieur Mizot. Et on a des selles de Monsieur Mizot. Et aujourd'hui, on a des selles qui ont plus de 80 ans. Quand on a des chevaux, la selle, elle avance pas. Mais on a gardé le côté croupier, c'est le côté de notre selle gardien. Après, vous avez le système de sanglage. Alors ça, c'est pour les filles. Je sais que la page, là, j'ai fait du blague.